Salut à tous et bienvenue à la Pixel Family, c'est Full Greg et je suis en compagnie des gens qu'on pensait ne plus jamais revoir. Oh là 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 là, mais si, les revoilà, les revoilus, même si c'est revoilu, ça se dit pas. Je vous présente, allez-y, présentez-vous. Alors déjà, il y a Fullmania, hein, donc moi, il y a longtemps, on m'a quand même déjà pas mal vu. Et à côté, il y a Kiyoshi, même si ça fait très très longtemps que vous n'avez pas vu, et la dernière fois, ma dernière apparition en mon très bonbon. Mais bon, voilà, alors, il y a Fullmania et Kiyoshi, et on va jouer, comme vous pouvez voir, à Terraria, et nous allons faire les boss, tous les boss en mode normal, c'est ça, hein. Bah, on va essayer de faire la plupart, parce qu'il y en a qui, pourra pas vraiment les faire apparaître. Oui, ouais, voilà, après, ouais, c'est trop compliqué de les faire apparaître, pas les en bas, comme le mur de chair, pas les en bas, c'est... Voilà, exactement. Voilà, mais les boss, on va dire, principales qu'on peut se taper facilement en plein air. Alors, bien sûr, nous enregistrons sur la PS4, hein, nous avons que 14 minutes, 15 minutes. Alors, ouais, voilà. C'est pour ça qu'on fait des petites vidéos, la vidéo sera pas longue. Normalement, si on merde pas, ça devrait aller. Alors, Déjà, je veux prévenir un peu les gens. Donc, au milieu, on a Full Greg, donc ils ont le garou. Là. Ensuite, pour vous, normalement, je pense que c'est à droite, on a, donc là, juste là où je suis au-dessus, c'est Kiyoshi, dès qu'il est avec sa petite armure sombre. Ouais, et moi, je suis le mélange de Tuning Mario avec un gros œil. C'est un cyclope Mario. Ouais. Voilà. Et voilà. Alors voilà. Bon, allez. C'est pour ça qu'on va commencer. Alors déjà, je précise que peut-être qu'on va pas trop vous entendre, parce que c'est assez chiant pour enregistrer à plusieurs. Alors c'est pour ça, n'hésitez pas à parler plus fort. Hein. Ouais, il va falloir qu'on essaye de parler un peu plus fort, surtout toi. Je vais faire de mon mieux. Voilà. Bon, bref. Vas-y quand même. Bon, c'est parti. Allez. Bon, vous êtes chaud. Vas-y, Fullmania, tu lances les monstres. On est chaud. Alors. Je vais vérifier où il est. Oh merde, il est bloqué par le trou. Ah non, il arrive. Ok, non, c'est bon, c'est nickel. Le gros lard, là. Ok, maintenant je lance l'œil. Pas encore, Tom. Attends-le, il y a lui, pas de lui, je peux pas l'envoyer. Ah si, il arrive, l'œil. Voilà, le cerveau. Vous avez vu, il y en a qui meurt déjà, là. Alors, c'est super parce que la reine d'abeille, en fait, je peux pas la lancer. Excusez-moi, je veux pas être méchant, mais actuellement, en fait, j'ai pas encore commencé à jouer. Ouais, mais c'est pas ma faute, on tue. J'ai pas bougé, j'étais en train de lancer les trucs, vous avez tout tué. Bah c'est... Bah ils a tué, hein. Ouais, mais bon, par rapport... Le principal, c'est que si vous ils commencent à ce moment, ils arrivent, quoi. Et après, t'as tout qui arrive. Ouais, bah après, bah, la reine abeille, j'arrive pas à la lancer. Peut-être qu'il va être dans un biome genre... au pire, on va vite fait dans un biome jungle, si on a le temps. De toute façon, on va essayer de se dépêcher. Vous avez vu, attends, il y a quoi comme boss? Alors là, on a lancé le roi Slime, ouais. Qui est le boss le plus simple du jeu. Oh, putain, attends, je suis en retard. C'est moi, je suis en retard, j'arrive, voilà. On a le roi Slime, ensuite on a l'œil de cul... L'œil du chuchu, voilà, truc muche, hein, ça, ouais. Celui qui arrive à le prononcer, il est fort. L'œil du chuchu. Voilà, exactement. L'œil du chuchu. Je suis fort. Celui-là c'est le cerveau, là. Normalement c'est le premier boss qu'on fait dans le jeu. C'est pour moi c'est le seul boss qui a apparu tout seul. Et donc là on est dans un biome jungle, je vais tenter de lancer la reine abeille. Ah voilà, nickel. Là, la reine abeille. Bon, on est extrêmement pété dans le jeu, donc très puissant. Pour nous c'est plutôt facile de lui taper dessus. Voilà, donc voilà, elle est morte. Ouais. Et attends, tu t'as pas mis le Skeletor là. Ouais, mais il faut trouver. Il faut qu'on trouve de la lave en fait. Ah bah, il y a rien faisant par là ou pas? Si, on va essayer de se dépêcher. Tourne. On tombe. Ah, viens. Voilà, descend. Vas-y. On peut pas, c'est pas. Ah merde. Ah bah, regardez. Ah bah, merde, non, ça c'est pour après. Bah non, bah ça. Vas-y, on fera une deuxième vidéo avec. Voilà, juste à côté ici, vas-y, tombez ici. Ouais, on fera une deuxième vidéo avec les monstres, les boss qui sont les au-dessus, les ceux qui sont plus forts que ceux-là. On fera plusieurs vidéos. Attends, je vois rien. Là, on est juste en train de se battre. Mais fais noir, c'est un truc, on voit. C'est bien, Quentin. Le trou ici. Attends. Alors là, franchement, je suis perdu. Hein. C'est ma carte, mais je sais pas du tout. Attends, on a pas bougé en fait.
Franchement, ton truc là, t'as tout. Je sais ce qu'on va faire. Prenez votre miroir. Donc, on a dans le jeu, on a un miroir qui permet de revenir au point d'apparition. Prenez le miroir. Ah ouais. Ouais, comme ça, on va aller tomber dans mon gros trou qui est juste à côté. Pour tomber dans mon gros trou. Exactement. Un peu, là, vous allez pouvoir mon arsenal. Eh, t'es parti où là? Vous êtes où? Vas-y, bah, c'est parce que toi, t'es. Ouais, le lit, il a pas voulu te le prendre. T'as pas le même point de spawn que nous. Ah oui, c'est pour ça, mais ouais. Vas-y, voilà, viens juste ici, là, il y a mon trou très profond. Mon trou très profond, dis donc. Mon trou très profond. C'est très romantique ce qu'il nous dit, là. Ah non, mais moi, je suis romantique de ouf, hein, je peux vous dire. Et gentleman avec. Et il n'y a pas de décalage. On se cache rien, c'est une chaîne cache. Bah, pas trop non plus, hein. Il faut qu'on dépêche un tout petit peu parce que là il ne reste plus qu'à peu près 8 minutes là. Ouais, ça va aller, normalement l'enfer est pas loin. Ouais, alors voilà. Alors attendez, vas-y, continue. Je vais essayer de me dépêcher. Mais t'arrives au fond du trou. On y va. Donc, il fait tout noir, laisse tomber toi. Là on est dans un trou du cul du monde. Donc là on est tombé dans les enfers. Alors, on va peut-être essayer de les buter un peu parce qu'ils nous saoulent un peu. Vas-y, tu vides là les gogoliens là. D'abord on va lancer le squelettron. Je me perds dans les boutons. Et où attendez si. Kiyoshi. J'arrive avec Fred, j'ai réactivé mon miroir. Ah. Dépêche-toi un peu. Ah merde, en fait j'ai compris, Fulgrig. Ouais. On a un petit problème. En fait, donc là comme vous voyez, Fulgrig est revenu en humain. Vu que c'est plus la nuit, donc j'ai jeté la poupée d'Itailleur pour rien. Oh non! Oui, en fait, la poupée pour faire apparaître le squelettron, c'est ça? Squelettron. Voilà, juste le squelettron. En fait, voilà, en fait, lui, il n'apparaît que la nuit, il n'apparaît pas le jour, alors ce qui fait qu'en fait, compte, là, maintenant, il fait jour, ce qui fait qu'on peut pas le voir. Bon. Du coup, on va faire le mur de chair. Ouais, on va faire le mur de chair, on se dépêche un peu. J'explique vite fait, donc le mur de chair, c'est le boss final du mode normal du jeu. Ce qui permet de passer en mode hardcore. Ouais, et puis il peut avoir les boss qu'on fera dans la deuxième vidéo. C'est ça. Voilà, c'est parti. Mais il est où le top outil? Ah ben. Voilà, le vla. Ah, moi en plus, j'ai déjà plus de vie, moi. Voilà le boss, on va dire le boss. Bon, bah je suis mort. Ah, je me suis fait exploser, j'avais plus de vie. Oh le gnome. Attends, il est facile, on peut pas reculer, ouais, le problème c'est qu'il avance, mais il est facile à tuer. Ouais, tant mieux que. Il est mort, hein, il est plus. Que ce soit Fulgrig qui filme l'écran. Eh, hey, t'es mort là, va-t'en, voilà. Bah, il est mort là. On a gagné. Ah, c'est bon. Et en fait, quand il meurt, il a pas, il nous verse ce qu'il y a là-haut. J'ai un truc là. Ah, un entretien, tu sais. Alors, si on a le temps, alors Kiyoshi vient de récupérer, si on a le temps, de la prochaine vidéo. Voilà. Kiyoshi vient de réussir à looter une. Du tailleur. Voilà, une poupée du tailleur qui nous permettra de nous faire réapparaître le squelettron. Ah ouais, nickel. Donc si jamais dans la deuxième vidéo sur les boss, va pas dessus, Kiyoshi. Ah si, c'est ce qu'on va faire. Je pense qu'on fera la deuxième vidéo, on commencera direct en faisant avec le squelettron normal. Là. Ouais. Et après on attaquera directement les boss supérieurs. D'accord. Alors, je tiens à préciser, hein, je suis pas nul, hein, c'est juste que j'avais plus de vie. Mais si t'es nul. Par contre, moi, je tiens à préciser, je suis nul. Tu veux mourir? Bah, ouais. Ah oui, mais t'as marché dessus aussi, que je t'ai dit. De toute façon, c'est la fin de la vidéo, de toute façon. Ouais. J'espère que cette première vidéo de Terraria vous a plu. Donc, hein? Pour la prochaine vidéo, sera faite pour les super boss, quoi. Les boss, les catégories au-dessus, quoi. Alors je vais faire une petite précision qu'on n'a pas fait au début de la vidéo. Vas-y. C'est que là, pour les consoles où on est en train de jouer, donc parce que c'est un peu particulier, on a donc mon très cher Fulgrig qui est juste sur votre écran qui est en train de fumer, qui filme donc avec sa PS4, dont il a les 15 minutes pour filmer son écran. C'est long. C'est très long. Après, c'est très une longue explication. Après, juste pour une personne. Ensuite, on a le très beau, le très cher Fulmania, c'est-à-dire moi. Voilà, je suis là. Et ton gros deuil. Voilà, exactement. Donc, il est aussi voilà, sur PS4. Et on a l'autre là-bas. Qui est sur la PS3.
Voilà, qui vit sur la PS3. Et s'il continue à monter sur ses tours, tu vas cramer et encore mourir. Donc je serai toi, calme-toi. Pour qu'on puisse te voir pour dire au revoir. Exactement. C'est parce que moi je m'enflamme, tu vois. Ouais. T'as plus de vie. Hein. Chaud. Ouais, voilà quoi. Je suis chaud. Le plus de que, le problème, voilà, c'est qu'avec le micro, c'est la galère pour entendre, ce qui fait que voilà. Bon voilà. Bah sinon, on vous dit, voilà, j'ai fait cette vidéo de Terraria. C'est peut-être les premières vidéos de Terraria vous a plu. On vous dit à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, peace. Ciao. Au revoir.